Vous êtes bien sur mon répondeur, je ne suis pas là, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai plus tard. Tu es mort il y a 3 ans, je pensais pas que ton répondeur fonctionnerait. Écoute, je commence demain à tourner un film sur ta vie, papa. Voilà, c'était important pour moi de te le dire. Ok, parfait, on change d'axe, s'il vous plaît, on reprend au même endroit. On est en retard, les gars. Time is running. On se dépêche et... action. Ce n'est pas mon argent, monsieur Grossman, vous comprenez? Si vous ne me donnez pas cet argent, je tombe. Je vous en supplie. Menace-le. Quoi? Menace-le. Dis-lui que tu connais du monde, que tu vas le retrouver. Écoutez-moi bien, monsieur Grossman, je connais du monde. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est mort il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Mon Samuel, mon mari. Il est mort et on ne le verra plus. Alors moi, je veux qu'on parle de sa générosité. Je veux qu'on parle de tout ce qu'il nous a offert, de tout le bonheur qu'il nous a donné. Hein, le malheur, on se garde plus tard. J'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie de savoir, pas maintenant. J'ai trop souffert de tout ça. Je sais qu'il vous a tous fait du mal. À quoi ça sert d'en parler maintenant? Il était tellement extraordinaire. À quoi ça sert d'en parler? Je vous demande pardon. Pardon pour tout.